Salut. Bonjour. Aujourd'hui, on est avec Tony Lou, tatoueuse. Une tatoueuse anglaise. Mais qui parle pas français, du coup, la vidéo va être en anglais. C'est ça, on va faire un petit mix français-anglais, peut-être espagnol, qu'on traduira bien évidemment pour que tout le monde puisse comprendre. Ouais. Et puis, donc, je vais avoir le droit apparemment de dessiner sur le corps de Miguel, donc c'est voilà. Cool. Encore une fois, je suis la cobaye des. C'est ça, il va encore donner son corps à la science. Ah oui, bah attends, je vais prendre le micro. 1, 2, 1, 2. Putain. Bonjour les années 80, ici Camille. Better than my friend. Next question is, let's take the next is the plan. It's the money. How money, much, yeah. How much do you money, earn? Money, money. Money. Money, money, money. Ok, donc là, Tony Lou vient juste de nous dire qu'elle a appris à tatouer sur des vrais humains, en fait. Normalement, les tatoueurs, ils apprennent sur du faux cuir ou de la peau d'orange ou de banane. Tony Lou, elle a appris sur des alcooliques et des diabétiques en Angleterre. Voilà, c'est British style. Maintenant, je vais donner mon corps à la science, encore une fois. Je ne sais pas ce que j'ai tatoué. C'est moi, la science. Tatoué. Ah non, pas les fesses. Mais pour commencer, je vais lui faire le dessin qu'il souhaite que je lui tatoue. Qu'il souhaite, non, que tu souhaites. Non, mais dis-moi, qu'est-ce que tu veux. Surprise. Surprise me. Spanish unicorn. Allez, Spanish unicorn. Alors, you're a lefty. Ah, c'est yeah. And it's the worst thing whenever I'm drawing that the customer's actually watching you draw because it's even more nerve-wracking. C'est une licorne fille, quoi. Ça ressemble à rien ce qu'il est en train de me faire, mais bon. On verra sûrement. Non, ça va être trop beau. Fais-moi confiance. Alors, voyons voir les résultats finaux de cette tatouage magnifique que j'avais. Je vais mettre sur la tranche. C'est un peu un. C'est une licorne joker. Ok. Stencil from there. So it just goes through the stencil machine. Sur les bras, du coup. Je pense que c'est mieux parce que si ça a du mal à partir, ça. Ah, ça a du mal à partir. Pas forcément, mais on va faire sur moi. So cut him out kind of in an oval shape. There you go. Ok. Bon, je vais avoir une licorne dans mon bras. Mais franchement, je suis hyper fière de mon dessin en plus. It's a light heat transfer, so the design will come through comme ça. Ok. And that's what then you with special spray will stick onto the skin and then you're meant to follow the lines. Okay, you want to keep hold of that because that's your design. Yeah. But this one you want to don't touch the purple. Okay. So just keep it like that. Comme ça. Voilà. Okay. Then you go through to the tattoo area. The tattoo area. Je suis hyper contente. C'est ça. Je suis hyper contente. Je vais le garder. Attends, c'est une licorne joker. J'aurais dit une licorne zèbre. Mais non, c'est le Joker de Batman. Mais... Zèbre corne. Ah. C'est un jeune tatoueur, lui. C'est un bébé tatoueur, il connaît pas. Je ne peux pas lutter. Face à autant de talent. Quand tu mets le tatou là-bas. C'est un peu trop laminé. Ok. Oh my god, oh my god. C'est le moment où tu commences à avoir peur, Miguel. Là, je commence à avoir peur. Déjà, ça commence bien, j'arrive même pas à mettre les gants. Voilà. As an artist, that you want to have things facing forwards all the time. So this side wouldn't look as good as what that side does. Because the unicorn look at the exactly. Okay. Yeah, it should always, you know, it, for me that doesn't look as good as what that does, for example. Okay, so hold on to that. You put your fingers on the ink. That's okay. Yeah, because I got gloves on. Oh, okay. Yeah. Okay. So this is a swab. So that would be to sterilize the skin. The other one. It's always no, this one. It's always important that you're not flexing. I wanted natural. To show my muscles. No. Sorry, but yeah, if you're like this, then when you go like that, the unicorn will have a droopy horn, maybe. So. And with your finger, take up that blob of white. Yeah. Rub that onto the area where it's going to be tattooed. Okay. What are you going to do? And relax. And look. Relax. Yeah. It's and nervous. Gonna be okay. And then. At the moment. Okay, there you go. You want to place it on. And again, make sure the customer is standing straight, not looking at the tattoo as well, great. Because it can change a lot. So there you go. You,
you'd have them standing very, very, very natural, as natural as possible. Okay, so stay cool and look at Tony Lou, okay? You're okay, you're safe with me. I know what I do. Really? And really push that down hard. Hold it there for 5 seconds. Ça y est, c'est maman là. And then it's kind of like the peeling it off, the same as the temporary transfer for the kids. Oui, c'est bon, you can pull that off now. Really? Okay, really? We are sure? Yep. Ah! C'est raté, c'est ça? Non, non, c'est trop bien. Il est trop mignon. Il est trop fier là. Mais tellement. Don't move, hein. I don't feel what I do with the gloves. So I don't feel what I do when I tattoo the customers either. It doesn't hurt me. C'est sûr, c'était juste 3 jours, c'est pas 3 mois. Mais pourquoi? Il est très bien. A really artist one. Ah ouais. Ah, attends, le premier il a rien. Tu bouges pas. Lui. Ah ouais, mais non, ça va pas le faire là. T'es en train de détruire le... Non. Bon. Voilà. Alors? C'est magnifique. Non mais c'est... j'adore moi. Bon Camille, ok, c'est pas mal. T'as quand même fait un bon boulot là. Ce que vous voyez, petit unicorne là qui est dans mon... Elle est trop fière, elle pense qu'elle va finir par se faire une tatoueuse fait par elle-même.